contemplons l'œuvre de Dieu dans la vie de Saint Joseph. De cet homme silencieux, on ne parlera pas assez. Parce que quand quelqu'un est en silencieux, et c'est normalement la personnalité la plus riche, le plus pauvre, c'est le contraire. Quand quelqu'un parle trop, on sait qu'il est pauvre. Joseph, c'est une personnalité riche à cause de son silence. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous contemplions avec vous d'abord sur la maison. Le Seigneur te fait dire qu'il te bâtira lui-même une maison, dit Nathan à David. Le psaume 89 dit « Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. » Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Le Seigneur a agi pour Joseph. Quand Marie est enceinte par l'action de l'Esprit Saint, elle est déjà accordée en mariage à Joseph. Donc Joseph a des droits sur Marie. Et Joseph avait voulu fonder une maison, avoir un chez-soi, une maison. Et Dieu surgit. Comme Joseph veut une maison, Dieu va lui faire une maison. Et quelle maison? Une grande maison. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Ce que Joseph voulait comme maison, c'était trop petit. Dieu va lui faire une grande maison. Et c'est l'Église. Saint Joseph, l'Église, toute l'Église, c'est sa maison. Et ici, le foyer de charité, c'est encore sa maison. Joseph a acquis une grande maison. Et c'est Dieu qui lui a donné cette maison. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Donc, quand nous faisons un projet, un bon projet, Dieu lui-même surgit pour faire de ce que nous pensions faire quelque chose de grand. Il nous fait lui-même quelque chose de merveilleusement grand, ce que nous, on n'avait même pas pensé. Et Joseph va avoir une maison et va avoir une famille, alors que lui ne pensait qu'à une petite maison où il vivrait avec Marie. Eh bien non, ça va être très grand. Toute l'Église sera sa maison. Ainsi donc, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Nous ne cessons pas de nous émerveiller quand nous avons commencé quelque chose. Eh bien, Dieu entre dedans et il en fait quelque chose de merveilleusement grand et ça nous dépasse. Deuxième dimension, et c'est l'héritage. Joseph, il est fils d'Abraham. Et dans la deuxième lecture, nous apprenons que nous sommes des héritiers. Des héritiers, héritiers d'Abraham. Héritiers de la promesse d'Abraham. Et de quoi vient cet héritage? Cet héritage vient de tout, du fait que Abraham est devenu héritier de la terre promise parce qu'il a cru. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et héritier parce que Dieu l'a estimé juste. Il a cru et Dieu estima qu'il était juste. C'était justice d'Abraham. Tous ceux qui vont croire en Dieu comme Abraham vont en bénéficier. Dieu estime qu'ils sont justes. Et nous connaissons le sens de la justice dans la Bible. C'est toujours quelqu'un qui accomplit ce que le Seigneur veut. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà ce qui caractérisa Abraham. Voilà ce qui caractérisera les descendants d'Abraham, dont Joseph.
quand l'ange du Seigneur vient de lui dire, eh bien, cette parole conclut le texte. Joseph se réveilla et fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il va prendre chez lui Marie, il va l'accepter comme son épouse, même si elle porte un enfant mystérieux. Joseph, puisque l'ange du Seigneur lui a prescrit cela, il accomplit. Voilà un homme juste. Et cette parole reviendra trois fois dans la vie de Saint Joseph. Joseph se leva, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, s'est dit maintenant à l'Annonciation, ça va être dit encore à la fuite en Égypte, ça va être dit encore à la sortie d'Égypte pour revenir en Israël, c'est le refrain. En fait, c'est la devise de Saint Joseph. Il se réveilla et fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Voilà un homme juste. Voilà ce que la Bible appelle la justice. Et Joseph sera héritier de tout ce qui a été promis à Abraham parce qu'il est un homme juste. Enfin, parlons maintenant de la plénitude. Joseph est parvenu à la plénitude. Quelle est sa plénitude? Saint Thomas d'Aquin nous apprend que Marie et Joseph s'étaient entendus pour vivre ensemble comme frères et sœurs, sans commerce charnel, parce que Joseph voulait vivre chaste toute sa vie, et Marie aussi. Alors les deux s'étaient entendus. Puisque la société ne tolère pas la vie de célibataire isolée, nous allons vivre ensemble, mais comme frères et sœurs. Joseph avait une épouse, et donc elle était accordée en mariage à Joseph. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Mais Marie est accordée en mariage à Joseph déjà au départ, et Joseph a sans doute construit une maison et il va amener cette femme, cette jeune fille, chez lui. Il avait donc un projet. Mais ce projet à lui tombe à l'eau quand il se rend compte que Marie est enceinte. Quand ce projet tombe à l'eau, Joseph vit un débat intérieur. Alors il va vivre quelque chose qui nous instruit beaucoup. Joseph va vivre le renoncement. Il ne veut pas dénoncer Marie pour se venger. Parce qu'il aurait dû se venger puisque son épouse lui a été infidèle. Eh bien, il va renoncer à vivre avec cette fille. Donc, il renonce à son projet. Et il renonce aussi à son droit de se venger. Ce renoncement va faire que Dieu va lui donner beaucoup plus que ce qu'il avait espéré. Il aura une jeune fille, puisque Marie est toujours vierge, et il aura un enfant, alors que lui, il croyait qu'il mourrait célibataire. Non seulement il aura un enfant, mais il aura plusieurs enfants. Comme dit l'Écriture, vois quelle descendance tu auras. Nous avons entendu dans la deuxième lecture. Vois quelle descendance tu auras. Ce renoncement de Joseph nous montre la qualité de cet homme. Il renonce à son projet et il renonce aussi à se venger parce qu'il sent, lui, qu'il ne peut pas supporter de voir verser le sang, même s'il est trahi, il renonce à cela.
Et ce renoncement qui est comme celui d'Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, vers un pays que je t'indiquerai. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va me l'offrir en sacrifice. Joseph est fils de cet Abraham qui a su renoncer à tout parce que l'ange du Seigneur le lui avait prescrit. Et Joseph a renoncé, et parce qu'il a renoncé, il aura la plénitude. Il aura plus que ce qu'il avait voulu avoir. Et ceci nous parle. La plénitude de grâce à laquelle nous espérons. La plénitude de paix à laquelle nous aspirons. La grande sainteté à laquelle nous aspirons. Nous y parvenons par le chemin du renoncement. Et plus quelqu'un sait renoncer, plus quelqu'un acquiert plus de liberté et de plénitude. Saint Joseph nous parle par tout cela. Oui, par tout cela. Je pourrais conclure en disant Saint Joseph, c'est aussi quelqu'un qui sait renoncer à parler. Parce que faire silence, c'est un renoncement. Tellement on aime parler. Mais Joseph, il sait renoncer aussi à la parole. Les gens parlent à côté de lui. Tel parle. Joseph sait renoncer aussi à parler. Et son renoncement le remplit d'une telle paix. Et c'est un homme d'un calme angélique, ce Joseph. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui sait renoncer. Merci Seigneur Jésus. Nous travaillons.